pas mal voyagé par tout le pays, mais avant de parler du pays, je pense que une des choses qui m'a frappé et qui c'est vraiment très familière pour moi, ce processus de transition démocratique que vous êtes en train de vivre après la révolution du jasmin, comme on a eu notre révolution des oyers en 1974. On connaît bien ce parcours, les choses. Des côtés bons des choses et aussi de quelques difficultés qui fait partie de cette maturité que vous êtes en train de gagner avec le temps, comme nous, comme le Portugal. C'est un côté pour moi très familial, que je connais aussi très bien. Après, le pays, c'est un pays très divers, très beau. C'est un pays vraiment du nord au sud. C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on aime plus. J'étais peut-être très touché par le sud, par le désert, par la région du Tozeur, tout ce qui sont les oasis, les zones des canyons, toute cette zone qui est la porte pour le désert. Il y a quelque chose de spécial, de mystique, qui m'a touché. Évidemment qu'il y a toutes les beautés, les plages, Djerba, mais aussi d'autres choses, la gastronomie, les différents. Voilà. Tout ce qui est lié à la culture et aux traditions tunisiennes, et tout ce qui est aussi lié à l'architecture, à l'histoire, aux sites archéologiques qui sont vraiment extraordinaires en Tunisie. Donc tout ça fait la richesse du pays, mais là, comme j'ai dit, l'élément plus important, c'est vous-même, les Tunisiens, qui sont l'élément qui m'a plus touché. Ce que je trouve dans la gastronomie tunisienne, c'est aussi cette gastronomie méditerranéenne qui nous est familière. Et c'est une gastronomie comme la gastronomie portugaise, faite des choses simples. Pour moi, ben, c'est peut-être une banalité que je devrais dire, mais je suis un fan de briques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, très légère, et que je fais beaucoup de publicité chaque fois que des amis portugais viennent ici. Première chose que je leur dis, il faut essayer. Un brique. Parce qu'une brique, c'est une chose unique. On ne trouve pas dans un autre coin du monde. Et le résultat, normalement, c'est fantastique. Les gens aiment beaucoup. Après, il y a le couscous. J'aime beaucoup, par exemple, le couscous de viande sèche, par exemple. Mais aussi le couscous de poisson, c'est aussi très bon. Meshouia, toutes ces choses qui sont très méditerranéennes. La utilisation de l'huile d'olive, des épices. De la harissa, tout ça. La harissa, c'est vraiment. Il y a des amis qui prennent la harissa chaque fois qu'ils viennent ici en Tunisie. Et vraiment, ce sont des choses uniques et que j'apprécie beaucoup. Je fais part de cette richesse gastronomique tunisienne. Oui, les chiffres qu'on a, ça indique qu'il y a de plus en plus des Portugais plus nombreux. Qui vient en Tunisie, que cette année, il peut déjà dépasser les 20-25 000 personnes, des Portugais qui viendront, attirés pour tout ce qu'on a parlé, les plages, les sites archéologiques, les beautés du pays, voilà, tout ce qui est l'héritage des mosquées, Kairouan, Tunis, la Médina, tous ces coins fantastiques qui fait d'une visite à la Tunisie une richesse immense. Et j'ai déjà le témoin, l'écho de beaucoup de Portugais qui ont fait cette expérience et qui ont passé des temps inoubliables ici, chez vous.